El duro. El duro. Motivation, la force du monde. On respire beaucoup. On bascule sur le côté gauche, comme ça. El duro. Ça va? Allez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, pour la semaine, c'est là. Merci encore une fois d'avoir compris que le sport, c'est votre premier médicament. Et comme je le dis tous les jours, votre santé est entre vos mains. Ce n'est pas avaler les comprimés qui vont forcément vous guérir. Mais c'est aussi de prendre la décision personnelle de pouvoir mouvoir son corps. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes faits pour bouger. Ne nous asseyons pas dans notre luxe, qui est un luxe temporaire, si je peux m'exprimer ainsi, parce que la terre n'appartient à personne et personne ne demeurera éternellement sur cette terre-là. Donc pour nous qui sommes là encore, on va rendre gloire à Dieu en l'applaudissant. Tout le monde applaudit. Ok. La séance de ce matin, ça sera une séance vraiment très courte, vu que nous sommes dans une période assez spéciale. C'est la période de jeûne. Du jeûne musulman et du jeûne chrétien. Ici, nous sommes dans un pays laïque. Certes, mais le sport et le jeûne sont deux choses qu'il ne faut pas mêler. Le jeûne, c'est vrai, est fait pour vous soigner, mais en même temps, le sport également est fait pour vous soigner. Imaginez-vous quelqu'un, un chrétien qui fait 40 jours de jeûne, sans bouger, couché à la maison, qui va presque même pas au travail. Celui-là, à la fin des 40 jours, soit il est hypertendu, soit il est diabétique, soit il est dans un état où il va vers le cimetière. Pareil pour le musulman. Donc pour vous dire une chose, même lorsque nous sommes en jeûne, même lorsque nous jeûnons, il n'est pas méchant de mouvoir son corps. Parce que les muscles en ont besoin, les os en ont besoin. Et notre santé, qui est notre première richesse. Grosse maison, ça sert à rien. Grosse voiture, ça sert à rien. Mais quand toi-même, tu es en bonne santé là, tu es mieux que certaines personnes qui ont grosse voiture et qui n'ont pas la paix du cœur, qui n'ont pas la santé physique. Donc, comprenez une chose, mettez toujours le sport au centre de ce que vous faites. N'oubliez jamais ça. Mettez toujours le sport au centre de ce que vous faites. Quelles que soient les difficultés, parce que vous allez traverser des moments difficiles. Vous allez traverser des moments où vous serez presque dans la dépression. Mais la seule chose qui va vous sortir de cette dépression-là, c'est la pratique régulière du sport. Donc pour vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes malade, ce n'est pas parce que vous avez un souci au niveau de votre foyer, ce n'est pas parce que vous avez des problèmes, je ne sais pas,
au niveau du boulot, qu'il faut arrêter de pratiquer le sport. Le sport nous sauve. Aujourd'hui, nous sommes bientôt à la fin du jeûne du carême chrétien et nous avons débuté le jeûne musulman. La team Elduro Motivation, c'est vrai, a décidé de donner, de faire un don aux 40 premières personnes. Mais je pense que au finish, ce ne sera pas les 40 premières personnes, mais tout le monde repartira. S'il plaît à Dieu, hein. S'il plaît à Dieu. Voilà. S'il plaît à Dieu, tout le monde repartira avec un geste symbolique. Et je le dis, c'est symbolique. C'est pour vous encourager à continuer l'œuvre de Dieu que vous faites. Jeûner, c'est aimer Dieu. C'est aimer soi-même aussi. Donc, nous sommes dans la période du partage. Le jeûne, le carême, c'est partager. Donc, nous, à la team Elduro Motivation, on n'est pas égoïste. On partage. Nous sommes là pour vous donner l'envie d'aimer le sport. Même à 90 ans, on peut faire le sport. Même à 100 ans, on peut faire le sport. Il n'y a pas de limite d'âge. Ceux qui se fixent des limites d'âge, se fixent des limites de vie. Ne vous fixez pas de limites de vie. Si vous fixez des limites d'âge, c'est que vous êtes bon dans l'âme et vraiment, ça sera difficile de vous récupérer. Est-ce que vous avez compris? La dernière marche que nous avons eu à faire, c'était dans la commune du Plateau. Aujourd'hui, nous avons délocalisé, nous sommes dans la commune de Cocody. Ça peut être une autre commune après. Mais l'important ici, ce que vous devez comprendre, c'est que nous, la team Elduro Motivation, nous sommes des nomades. Nous sommes des sportifs nomades. On ne va pas toujours rester sur place. On va de temps en temps comme ça. On a de repérer des sites comme ça où de temps en temps on va bouger. Le peuple nomade, c'est ça, la team Elduro Motivation. Nous sommes une clinique, c'est vrai. Voilà une clinique à côté là. Mais eux, ils sont pour coucher les malades. Nous, c'est pour guérir les malades. Donc ici là, on ne se couche pas. Il n'y a pas lit d'hospitalisation. Ok? Il n'y a pas lit d'observation. Ici, c'est pour travailler le corps, c'est pour rester en pleine forme, c'est pour rester en bonne santé. Donc sur ce, nous allons commencer la séance. Donc vraiment, on s'applaudit. On applaudit le Seigneur, on applaudit Dieu. Vous nous donnez la santé d'être présent. Ok. Donc sur ce, les coachs, c'est parti. Merci. On ensemble. Et tous nos motivations. Tout le monde en position, Zouglou, en libère, en position, tout le monde, Elduro, Zouglou, 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 Zouglou.
samedi à fête.